Salut les métalleux, bah aujourd'hui on va parler du piquage pied de biche. Hein. Donc piquage pied de biche, ben voilà, c'est un piquage qui est fait avec un coude. Hein, donc là on va partir sur un pied de biche en DN 80 sur du DN 100. Donc là la première chose que je vais faire c'est d'abord m'occuper du coude hein, qui est en DN 80. Donc là je vais tracer son axe hein, d'un côté, donc 88,9 divisé par 2, 44. Donc voilà, là j'ai tracé d'un côté, je vais retracer aussi son axe de l'autre côté, côté intrados. Donc voilà, je vérifie bien si j'ai 44, ok. Donc sur le côté extérieur, l'extrados, je vais quand même prolonger donc son axe. Ça c'est pour être bien visible après pour la suite de cette méthode. Donc voilà, c'est tracé, hein. Donc là on peut voir un petit traçage intérieur un peu plus grand à l'extérieur. Donc voilà ce qui devait être fait sur le coup d'effet, hein. Donc on va mettre ça de côté. Donc là on a dit qu'on partait sur du DN100, hein. Donc voilà, en fait c'est poussé sur un ferru, hein. Donc il y a deux manchettes, hein. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est après c'est tracer les axes. Donc là on voit qu'il y a une partie qui est déjà pointée, là, juste deux points, celui-là on va le laisser encore amovible pour bien régler notre coude pour pouvoir faire le traçage. Donc là je vais tracer mon axe, hein, donc on est en 114, hein, donc divisé par 2, 57, voilà, de chaque côté. Je prends mon équerre pour prolonger les axes, bon c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien toujours prolonger un peu mes axes pour pas les perdre. Donc voilà, mes deux axes sont tracés, hein. J'ai mon petit repère à l'intérieur de mon coude, hein, en DN80, hein, qu'on a tracé tout à l'heure. Donc là, le truc après, c'est qu'il va falloir qu'on retrouve mes deux axes face à face. Donc là, je vais déjà commencer par pointer d'un point flash à l'intérieur du coude, hein. Donc là, je vise les deux axes, hein, celui de la manchette et celui du coude, et je fais un point flash. Donc voilà, là c'est déjà plus ou moins fixé, hein, déjà d'un côté. Donc, toujours bien regarder quand on est en face de l'axe. Là je vérifie si j'ai toujours 57, si ça n'a pas bougé. Donc bien sûr, hein, on travaille sur une surface qui est de niveau des deux côtés. Hein. Donc là, bah, du coup, je vais poser mon niveau sur le coude et puis là je vais le mettre de niveau. Très important. Hein. En essayant de rester aligné avec le coude, hein. Donc voilà ce qu'il faut arriver à faire là, c'est d'aligner ces deux axes là. Ici on se met de niveau et ici les deux axes en face pointés d'un point flash. Donc là pour l'instant on est bien réglé d'un côté, rien n'est fixe encore, hein. Donc là après il va falloir aussi régler de l'autre côté, hein, il nous reste. Hein. Donc là je suis bien en face, encore à régler ce côté là, tout en restant dans l'axe. Voilà, là je suis bien en place, je suis niveau. Donc là je vais faire un point flash sur l'extérieur du coude. Hein. Voilà. De ce côté là je suis bien. Donc voilà, là on est pratique, on est bien dans les deux sens, on est dans les axes. Donc là maintenant il va falloir je vais quand même fixer l'autre manchette pour que ce soit bien stable, hein. Là, je fais juste deux petits points, voilà. Donc là, ben voilà, c'est l'ensemble est fixe en fait. Hein. Ce sera bien pratique pour tracer. Donc là, je vais encore faire deux petits points devant, histoire que le coude ne puisse pas pivoter. Que ce soit bien stable. Ok. Donc voilà, je suis niveau là. Là, je suis niveau. Mon marbre est de deux niveaux. Voir ça quand même de plus près. Donc là il faut être bien dans les axes ici, il faut être de niveau là, de niveau de ce côté là aussi.
et pointer dans les axes. Faites au moins 2 points pour pas que ça pivote encore, quoi. Donc voilà, ben là on est prêt à commencer le traçage, quoi. Donc là tout est bien fixe. Donc voilà, là je vais utiliser une petite cornière de 30, hein. Bon c'est la limite, hein. Faut pas faire plus petit, une 50 ça va aussi. Mais bon là c'est, voilà, donc à chaque extrémité j'ai fait une coupe à 70 mm. Et le truc, ben voilà, hein, ça va être de glisser cette cornière bien parallèle, bien contre le tube, en allant en frottant le cou, en allant frotter le coude, et ça va commencer à nous faire des petits repères. Hein. Toujours bien rester bien plaqué sur le tube, hein, pour aller chercher des traces sur le coude. Hein. Donc là c'est une petite pièce, c'est bien, on peut tourner. Hein. Donc là je fais des petits repères chaque fois. Je travaille surtout avec des pointillés. Alors la partie extérieure du coude, c'est assez facile à tracer, mais plus on arrive à l'intérieur, là ça devient un peu plus compliqué. Hein. Bon ben voilà, là je fais tous mes petits repères, ben, je vais faire mes 3 petits points là. Alors, évite de couper dans le coude, hein, taper dans la manchette, hein, laisser le coude à l'entier. Voilà, c'est pas la peine, ça passe pas. On aura essayé. Ah, un petit coup de marteau, téflon, c'est mieux. Voilà, maintenant, voilà, c'est dissocié. Donc voilà, on se retrouve avec ce petit coude là. Bon, je vais quand même enlever les bavures, hein. De se couper, puis c'est propre. Le petit point à l'extérieur. Donc voilà, en fait, bon là, on voit pas très bien, mais c'est beaucoup de pointillés, surtout vers l'extérieur. Donc là, ben, y a plus qu'à reporter, à retracer sur les pointillés proprement. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà, on peut voir la trace du pied de biche, de la découpe à faire. Hein. Ça va assez vite, hein. C'est pas mal et c'est quand même assez précis. Hein. Donc ben voilà, moi bon, j'espère que ça vous aura bien plu. Allez, à plus les métalleux. Ciao, ciao.